entre dans les derniers instants de l'année. Ce soir commence Yom Sheni. Ce soir c'est lundi dans la Torah, ça commence le soir. On commence le dernier lundi de l'année, ça commence ce soir. Demain, la journée, ça va être le dernier Yom Sheni de l'année. Ils écrivent les Baalei Moussar qu'on répare tous les lundis de tous les ans, de toute notre vie. Après, il y aura mardi, après mercredi. Là, on appelle ça la dernière ligne droite. On arrive là, droit dans Rosh Hashanah. Si un homme, il fait tshuva comme il faut, dès maintenant. C'est le shkia, c'est le kochavim. Il se prend en main, il fait tshuva, il fait attention aux avérot qu'il a l'habitude de faire, de ne plus les faire. Pour nous, la plus grande avéra, c'est Bitoul Torah. Parce que notre métier, c'est la Torah. C'est une avéra pour tout le monde, Bitoul Torah. Alors pour nous, encore plus. Voilà, tu peux pas dire. Mais nous, on étudie beaucoup plus que les autres. Non. Justement. Puisque nous, on s'est donné corps et âme à 100% pour la Torah, on n'a pas le droit de l'Ivatel Mimenachum devant. Okay. Il fait attention à ses actions, il fait tchouva sur le passé, il se prend en main, il fait plus attention, as ça répare toutes les avérotes qu'il a fait tous les lundis de l'année. Ça a été dit sur la dernière semaine de l'année, et ça a été dit surtout sur les 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Il y a 7 jours, il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, plus un jour de Kippour. Oui, on a 10 jours de pénitence. 10, tu enlèves 3, il reste 7. Azla Rabotai, il faut qu'on se sente bien, bien, bien concerné par Yom Ad-Din. Il dit, Pele Yoetz Rosh Hashanah, Yom Ad-Din, Agadol, Asher Melech, Bemishpat, Yahamid, Aretz. Le Chol, Bene Olam, Ovrim, Lefanav, Kivne Maron. Ça y est, la récréation, elle est terminée. On était en récréation pendant un an. Un an de récréation. Un peu moins du lendemain de Kippour de cette année. Ça y est, on s'est senti en récréation. On s'est pris en main Seret Yemei Teshuva du début de l'année, de Rosh Hashanah à Kippour. Et tout le long de l'année, on s'est un peu laissé aller. Un peu, peut-être beaucoup. Arshav, Kol Bene Olam, Ovrim Lefanav, Kivne Maron. Tous les habitants de la terre qu'on. Les goïms inclus passent devant Hachem qui venait Maron. Trois explications dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est, venait Maron? L'idée est la même, qu'on passe un par un. Un par un devant Hachem. Ce n'est pas un jugement global qui peut être un jugement beaucoup plus doux. La masse. Alors on est dans la masse. C'est un jugement individuel. Va'ala medinot boye amer ezole cherev. Zolé Ra'av, comme on dit dans la Tfila, dans Moussaf, Kadosh Baruch Hu va décréter ce jour-là quel pays il aura la famine, quelle abondance, quelle épée, qui sait qui sera frappé par l'épée, qui sait non, tremblement de terre, etc., etc. Ce jour-là, Borolam, il Yoshev, al kisei din, vedan kol adam vedam. Toutes les choses qu'on va parler avant Rosh Hashanah, on ne pourra pas les parler deux jours de Rosh Hashanah. Parce que le jour de Rosh Hashanah, il faut de la simcha. Il faut arriver à Rosh Hashanah avec une prise de conscience que c'est Yom Ad-Din Rabotai. Kmo she'anu omrim b'musaf Rosh Hashanah uvriot bo ipakdu l'chaim v'lamavet. La vie ou la mort. C'est b'yom Rosh Hashanah. V'afilu asher lo shatli bo lir'a et Hashem ayom v'nora b'shar hayamim. Celui qui, tous les jours de l'année, lo shatli bo, ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience, comme nous tous, tout le long de l'année. Mila Irak Ayomazé, qui n'aura pas peur ce jour-là? Celui qui n'a pas peur ce jour-là, on a déjà donné un machal sur ça. Ok, Mahamarakatou, Vimitaka, Shofar Barir, Vamlo Yeheradou. Est-ce possible que le chauffard soit sonné dans la ville, que le peuple ne trompe pas de peur? Vekatvo Amekoubalim. Il dit l'Orav, ce qu'ils amènent dans la Kabbalah, que toute la Torah, elle est composée de deux choses. Ira, Ahava.
La crainte d'une part, l'amour d'autre part. Ira, c'est quoi? La crainte, c'est sur les mitzvot lotase. Pour pas transgresser un interdit, il faut avoir peur. Un homme, ça lui suffit pas s'il aime de pas transgresser un interdit. Il y en a, ils aiment Hachem, j'aime Hachem, j'aime Hachem, j'aime Hachem. Mais j'aime aussi ça aussi, ça aussi j'aime, ça aussi j'aime. Alors, c'est pas parce que j'aime Hachem que ça va m'empêcher de pas faire des choses qu'Hachem ne veut pas que je fasse. Par contre, la crainte, oui. J'ai peur d'Hachem. J'ai peur de faire une erreur. Il faut avoir la crainte. Si un homme, il n'a pas peur, il vit que avec l'amour, 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 l'amour. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ahava, par contre, l'amour d'Hachem, celui-là, ça, on va l'utiliser pas pour les mitzvot lota asé, mais pour les mitzvot asé. Parce que quelqu'un qui n'aime pas Hachem, il n'a que peur d'Hachem. Alors, il ne va pas non plus faire les mitzvot asé. Comment il va mettre les tefillin? Comme quelqu'un qui a peur. Comment il va faire de cette fille-là? Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur, il va faire pour s'acquitter. Mais c'est tout. Alors, quelqu'un qui aime Hachem, comment il va mettre les tefillin? Comment il va faire cette fille-là le matin? Comment il va déguster cette fille-là? Quel plaisir! C'est un roman d'amour, la tefillah le matin, la beauté. Pas que le matin, les trois tefillotes. C'est une déclaration d'amour. On est avec Bourra en l'âme, on lui déclare. Il lui déclare l'amour dans le rêve. Dans le lit là-bas, il lui déclare une déclaration d'amour, il dort comme ça. Moi je t'aime, Hachem. Moi je t'aime en dormant. Hachem, il ne veut pas que tu l'aimes en dormant. Hachem, il veut que tu l'aimes, que tu lui dises que tu l'aimes. Tu viens, tu fais Shema Israël de toute ta kavana. Mekabel ol malchut shamaim dans Shema Israël. C'est Ahavat Hashem. Ça, il faut le faire avec tout son corps, avec toute son âme, avec tout son nefesh. Juste, on ne dit pas que quelqu'un qui ne va pas faire de averot par crainte, c'est rien, parce qu'il le fait, voilà, il ne va pas faire d'averot parce qu'il ne veut pas être contre-frappe, il ne veut pas être puni, il ne veut pas contre-frappe. C'est rien par rapport à celui qui ne fait pas d'averot juste parce qu'il aime. Voilà. Je ne veux pas faire d'averot parce que j'aime Hashem. L'amour d'Hashem ne m'empêche pas de ne pas faire d'averot. Il ne peut pas m'empêcher. Parce que l'amour d'autre chose, il peut parfois l'emporter sur l'amour d'Hachem. Un homme, c'est un homme. Il a des tavotes, il a des envies, il est poussé, le terrain, il est très fort, il pousse l'homme à faire le mal. L'amour d'Hachem ne suffira pas pour l'empêcher de faire d'autres amours qu'il a pour d'autres choses. Un homme, il aime deux femmes. Il aime sa femme, il aime beaucoup sa femme. Il aime aussi la femme du voisin. Alors il dit, mais tu vas à la femme du voisin, t'aimes pas ta femme. Qui t'a dit, j'aime pas ma femme? Maintenant, il aime sa femme. Il faut amoureux de sa femme, mais il aime Dieu aussi l'autre. Mais ta femme ne veut pas que tu ailles voir l'autre. Ça ne contredit pas. Par contre, il sait que ta femme va l'attendre avec un bâton le soir, et si jamais il fait une bêtise, il a peur. Il ne va pas avec l'autre femme. L'avdil. Ça, c'est le même lien. On ne peut pas servir Hachem avec l'amour seul ou avec de la crainte seul. On ne peut pas servir Hachem non plus. Parce que celui qui a, il a peur de sa femme. Hein, qu'elle a le bâton du matin au soir. Quand il va venir et il va s'asseoir, il va parler avec elle, ou il va lui offrir un cadeau, c'est par crainte, c'est pour s'acquitter, c'est pour pas qu'elle gronde, c'est tout. Quelqu'un qui aime, oh, c'est autre chose. Quand il va penser à elle sans arrêt, sans arrêt. Quelqu'un qui aime, il pense à la personne sans arrêt. Regardez-le, regarde ce qu'il y a dans le monde, dans le mariage, on sait comment il pense qu'à elle. Pareil, celui qui a de l'amour pour Hachem, il pense qu'à Hachem. Toute la journée. Alors, il faut gam la ira et gam la ahava. La tchouva qu'on doit faire, elle doit être et sur les averot qu'on a fait, et aussi sur le manque d'amour qu'on avait pour Borei Olam. La façon dont on a prié, la façon dont on a fait les mitzvot. Sur tout ça, il faut se reprendre en main, hein, Bota, il nous reste une semaine. Vehen Adam liyot chomer achur afar mina adama. L'homme, il est fait de terre. Une matière qui est très très basse. Dome lemi she'enav zgurot. Ça ressemble à quoi cet homme-là? À celui qui a les yeux fermés et qui est assis dans un endroit, dans une pièce qui est obscure. Noir. Gam ses yeux, ils sont fermés. Et gam à l'extérieur aussi, il fait noir. Betzarich laze shiftah enav. Il faut qu'il ouvre les yeux, d'une part, mais ouvrir les yeux, ça ne va pas suffire, parce que tout est sombre. Il faut aussi qu'on lui amène la lumière, une bougie. Par contre, si on lui amène une bougie,
même s'il a les yeux fermés, il sent la lumière. D'accord, c'est comme ça. Un homme, il est dans une pièce, il a les yeux fermés, tout d'un coup, quelqu'un, il rentre, il allume la lumière. Tout de suite, il sent que quelqu'un allume la lumière. Il voit, dans ses yeux, il voit. Ça change de couleur. Ça devient plus clair. Et s'il ouvre un petit peu les yeux, un tout petit peu, alors il pourra distinguer encore un peu plus la lumière. Et s'il ouvre encore plus, alors encore un peu plus. Et plus un homme il va ouvrir les yeux, et plus il va voir la grandeur de la lumière. Pareil dans la période dans laquelle on est. Aine sikhlo setumi milistakel bamuskalot. C'est quoi les yeux? C'est les yeux de l'esprit. Notre sechel, notre cerveau, il est fermé. Ils ont des yeux aussi. Il y a les yeux du sechel. Ils sont fermés, ces yeux-là. Il ne veut pas voir la chokhma, il ne veut pas voir le moussar, il ne veut pas voir ses obligations. On a des obligations dans ce monde. On n'est pas venu dans ce monde. Ce n'est pas un pique-nique, ce monde. Okay, ce monde, ce n'est pas un pique-nique. On n'est pas là pour passer des vacances. Ce monde-là, si Hachem nous a mis pendant 70 ans, c'est parce qu'on a un travail. Après 70 ans, on part. Regardez le Rav Citruc. Alav Shalom. Alav Shalom. Okay. Maintenant, où il est? Où il est maintenant? Il va monter devant Badin Shelmar, là. Après tant d'années d'action et de bonnes actions et de Torah et de Torah et de Torah. Il arrive plein devant Boré Olam. Plein, il arrive. Alors, sa vie aussi, elle est terminée, ça y est. Terminée. Demain, on l'emmène en Israël et on enterre comme tous les hommes. Terminé. Rav Citruc, il devient une partie de l'histoire des Niftarim. Demain, comme Rav Ovadia, comme Rav Citruc, comme tous les tzadikim. Aval, il arrive comment devant Boré Olam? Plein de tfilot, de mitzvot, de chesed, de Torah. C'est un grand ami de Chacham, c'était. Grand ami de Chacham. Plein d'Irat Shamaim. Maintenant, il arrive devant Hachem. Et là, on lui fait tous les honneurs. Et là, on lui fait le vrai kavod. C'est quand il arrivait ici, donner un cours, ou dans un mariage, ou quoi, tout d'un coup, l'orchestre, il changeait la chanson. De la chanson qu'il chantait, il commence à chanter Yamim, et c'est où chez Harim Rachechem, un grand kavod. Ça, c'est un petit kavod de rien du tout. C'est clown, c'est. Avnissim Toledo, le Aval Shalom, quand il rentrait dans un mariage, et les gens, tout le monde se levait, et tout d'un coup, la chanson a changé, et on commence à chanter c'est où chez Harim. Il criait pas sur les gens, il criait sur lui-même. Il dit, je veux pas ici. Là-haut, je veux qu'on me chante, c'est où chez Harim Rachechem. Quand j'arrive à 120 ans, là-haut, je veux qu'on me chante. Alors, quelqu'un qui cherche ici le kavod, il oublie Hachem toute la vie. Un petit peu, une petite mitzvah par-ci, une petite mitzvah par-là, un petit limoud là, un petit limoud là. Alors, le cœur de sa vie, c'était dans l'oubli d'Hachem. Il arrive à 120 ans, quel accueil on lui fait? Ah, Minan, quel accueil on lui fait à celui-là? Skel. Bon, Hachem nous a donné Rosh Hashanah pour faire une remise en question. Où je suis? Dans quel chemin je vais? Dans quel chemin je vais? Est-ce que je vais dans le chemin du Olam Haba? Est-ce que je me prépare réellement Olam Haba? Est-ce que je travaille mes midot? Est-ce que je travaille ma gaava? Est-ce que je suis prêt? Ah, Shremi, Sheba, Lekan, Talmud Obeyado. Il vient avec son Talmud dans sa main. Heureux celui qui arrive là-haut après 120 ans avec son Talmud dans sa main. Pas avec ses contrats. Combien de contrats il a fait dans sa vie? Qu'est-ce que ça sert, ça, Hachem, les contrats qu'il a fait dans sa vie? Il vient avec le Talmud dans sa main. Avec Marot, ces derniers Zikin, il connaît tout. Baba Metzia, Baba Kama, Matra, tout, Cholet Bakor. Nashim, il connaît tout. Kidushin, Ktubot, Yebamot, Sota, Mechoulé, tout, il connaît. Seder Brachot, Seder Moed, il connaît toutes les Masertot, il arrive devant moi en l'âme, et il est Vakashé, Jeti Talmud Obeyado. Ouh! Voilà, quelqu'un d'intéressant qui arrive. Oh, c'est un petit truc, il arrive là-haut. Nous, on a perdu. Non. On a perdu encore un écran protecteur. On a perdu encore un tzaddik. On a perdu encore quelqu'un qui prie pour un misraël. On a perdu. Plus on va, et plus on est un d'or orphelin. Les tzaddikim, ils partent un après l'autre. Va là-haut dans le ciel. Quel mariage, il y a, quel mariage, quel simcha. Le vrai, c'est où chez Arim Rachech et mon lui chante là-haut. Pourquoi? Il vient. Un Talmud Obeyado, un Bakib Gadol, Tamil Chacham Gadol, il était. C'est midot, quel moussa, quel irat shamaim. Je me rappelle, j'étais
il y a 20 ans peut-être, j'écoutais ses cours, on avait le coffret du Rav Sitruk des cassettes, ceux qui ont connu. Le coffret, toutes les cassettes, les cours du Rav Sitruk. Moi j'écoutais, j'adorais ses cours. Eh, quel safa, de quelle façon il parlait. Tu sentais dans ses paroles plein d'Irat Shamayim, plein d'Irat Shamayim, la vraie Irat Shamayim, pure. Voilà, cela. Chaque mot maintenant, il arrive avec devant Borei Olam. Il peut se présenter. Comme lui, comme chacun, c'est Yom Hadin, c'est pas pachou de se présenter. C'est là-haut, c'est chaque moindre détail, il passe pas au travers. Chaque moindre détail, on est jugé. Dans le mal, comme dans le bien. Dans le bien aussi, chaque moindre détail, on est payé. Yom Din, ça reste Yom Din, c'est pas pachout. C'est pas comme notre Rosh Hashanah à nous. On mange la pomme, le miel et tout. Yom Din, bon, Hashem, bon, Hashem, va, Kadosh Baruch Hu, Bedil Vaya Avo. Ça va. Allez, encore un an. Là. Après, il n'y a pas encore. Une fois qu'un homme il arrive devant Borei Olam, après 120 ans, il n'y a pas encore après. Il n'y a pas une deuxième chance. Il n'y a plus de tchouva, il n'y a plus rien du tout, c'est terminé. Bah, Metim, Chofshi, Amar Hashem. Un homme, Kevan Shenasa Met, Kevan Shemet, Naasa Chofshi Mila Mitzvot. Un homme, quand il meurt, il devient libre des mitzvot. Libre, c'est à double tranchant. Ça veut dire, d'une part, libre des mitzvot, ça veut dire que j'ai plus le joug des mitzvot. Il n'y a plus besoin de se lever à Tfila. Il n'y a plus besoin de se lever au Slichot. Il n'y a plus besoin de Shomer Shabbat. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus, c'est fini. Fini. C'est les vacances, c'est Benazmanim. Terminé. Comment on sent Benazmanim? Motsai Tisha Be'av. Là, on a 3 semaines vacances. Fini, je me. D'accord? On sent un petit apaisement. Arshav, vacances. Là aussi, un homme, il meurt. Bametim, chofshi, plus de mitzvot, c'est terminé. Plus de donner la tzedaka. Il n'y a plus rien. Personne ne va te gratter, rien du tout. T'inquiète pas. Tu peux dormir tranquille. Personne ne va rien te demander. Chofshi! Ça? C'est la face, la facette qui est agréable. Il y a l'autre facette, désagréable. Laquelle? Je ne peux plus rien faire. Comment je peux me rattraper? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je fais tchouva. Ah, ça y est, je me prends en main. C'est... Profi. Terminé. Gom, il vint là, il pleurait quand il perdait, quand il avait ses tzitziot avant de mourir. Il prenait ses tzitziot, il pleurait. Ses élèves lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il dit, regarde. 20 shekels, 30 shekels, je peux faire dans l'or lamazé avec, et ça y est, on me prend, on m'enlève. Nifta, il n'y a plus de mitzvah tzitzit, il n'y a plus de mitzvah shema, il n'y a plus de mitzvah talmud Torah, c'est terminé. Ah, c'est tellement important le chasse, je vais apprendre maintenant. Allez, donnez-moi encore un an, je vous promets, en un an, je vais apprendre tout, promis. Et il prend sur lui, et il pleure, ah, ça y est, je fais tout. Terminé. Terminé, un beau taille. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on en prenne conscience. Si un homme, il ne travaille pas ses midotes dans ce monde, il part avec ses midotes dans leur lamaba. Si un homme, il a de la gava, alors il va avec sa gava devant Hachem. Si un homme, il aime des tavot, il va avec ses tavot devant Hachem. Il va se présenter avec ses tavot. Si un homme, c'est un menteur, il écrit dans les Sfarim, Makadoshim. Si un homme, c'est un menteur, il va mentir devant Hachem. On va le juger, on lui dit, t'as fait tel avera? Il dit, non, j'ai pas fait. T'as l'habitude de mentir dans l'or lamazé. Il ment. Ken, j'ai pas fait. Enfin, jure, je te jure. Jurer, pas de problème. Jusqu'à qu'on va lui amener la scène. Les témoins, ils sont là. Les gens qui sont vivants. Qui sont encore vivants. On va lui amener. Voilà, celui-là, il a vu. Celui-là, t'as vu. Voilà la scène. Voilà. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire? Boucha, ochlima, la honte. Voilà ce qu'il a à dire. La honte. Rien à dire. Ah, tout ça, c'est réel, c'est pas du moussin stam, c'est réel tout ça. Ça, voilà le Rav Sitruk, il y est maintenant. Et même pour lui, on va faire Kaddish. Et même pour lui, on va faire Leilou Nishmat. Même pour lui. Parce que même lui, il a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide ce jour-là. Aval Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, nous a donné Rosh Hashanah. Il nous a donné Rosh Hashanah. Il nous a donné Kippour. Nous permettre, nous donner la possibilité de remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans l'or lamazé? On sonne le chauffard, tout, réveillez-vous. Où t'étais pendant tout ce temps-là, dans ce or lam? Où t'étais, où t'avais ta tête?
L'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre, ah, ma femme, ma maison, mes enfants, mon truc, le compte en banque, le travail. Le... Chacun sait où il avait sa tête toute l'année. Non, c'est pas là-bas. Il faut remettre les pendules à l'heure, il faut rééquilibrer, il faut remettre le chemin droit. Le chemin, c'est quoi? C'est en là-bas. Ça, c'est le chemin. Il faut préparer les valises. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chauffard. Ça, c'est Rosh Hashanah. Il nous a donné un cadeau énorme, Hachem. Tous les ans, pour qu'on se reprenne. Il dit, ça y est, on reprend un bon chemin de Kdusha, de Tahara, de Yirat Shamayim, de Moussar. On va étudier maintenant plus de Moussar. On va travailler les Midot. On va faire attention au Bitul Torah. Et tout ça, ça ne peut pas se faire en un jour. Tu ne peux pas débarquer dans Rosh Hashanah et voilà, je prends tout, je fais Tshuva. C'est pour ça qu'on nous a donné 30 jours avant. 23, ils sont déjà passés. Il reste 7. 7 jours, il reste. Okay. Pendant ces 7 jours à Botaï, il faut se préparer. Il faut se prendre en main. Et plus un homme il se prépare, et plus ses yeux de son sechel ils vont s'ouvrir en Rosh Hashanah, il va voir, il va prendre la lumière. Ma'asa Kadosh Baruch Hu, Sheratza Lezakot It Israël, Am Segulato, qu'est-ce qu'il aura fait Hachem pour donner du mérite à Am Israël, pour se préparer jusqu'à ce grand jour, avant le grand jour, le dernier jour de la vie de l'homme, Natan Laem Moradeh Hachem, il nous a donné des fêtes. Asher ba'em mashpia alehem HaKadosh Baruch Hu shefa. Il donne un shefa à HaKadosh Baruch Hu, il déverse à Rosh Hashanah. Comme on va voir demain, Bezrat Hashem, il déverse de la Yirat Shamayim. On le proclame Melech. On proclame que c'est lui le Melech. Il déverse des tonnes et des tonnes de Yirat Shamayim qui vont nous aider, Bezrat Hashem, avec ce qu'on va prendre à Rosh Hashanah selon ce qu'on a réussi à ouvrir les yeux du Sechel. Les yeux de l'esprit, selon ce que chacun s'est préparé à réussir, à sortir un peu de la boue dans laquelle il se trouve dans ce monde, et s'élever un petit peu, et voir le monde un peu plus spirituel, se détacher un peu plus du matériel. Plus un homme, il a fait ce travail en Rosh Hashanah, et plus le jour de Rosh Hashanah, quand Hashem va déverser des tonnes et des tonnes de Yirat Shamayim, alors cette Yirat-là, il pourra rentrer dans son cœur. Et le long de l'année, ça va lui permettre de servir Hachem beaucoup plus facilement. Et puisqu'il aura cette ira dans son cœur, automatiquement la Ahavat Hachem va venir plus facilement. Il sera moins intéressé par le mal, moins par la Averot. Et Bezat Hachem, Yizkeh Leshana Tova Umetuka Amen.